Ce résumé vous est présenté par Heineken et Mastercard. Sponsor de l'UEFA Champions League. Il y a un coup franc très intéressant, parti du flanc droit, la déviation sur la balle et c'est but. Ouverture du score d'Arkadiusz Milik. Arek Milik qui est là, on n'a même pas encore eu le temps d'évoquer ce duo d'attaque de la Juve avec l'arrivée de l'ancien Marseillais qui a parfaitement coupé la trajectoire de ce ballon, ballon qui est parti des pieds de Leandro Paredes du flanc droit. C'est limpide hein, ça Alex. Ah, oui, tout à fait, je parlais de la qualité de passe, effectivement, à la réussite de Paredes. Là, il donne un super ballon. Kostic, c'est un joueur de Francfort qui prend le temps de lever la tête, de centrer. C'était pas mal donné. Frappe possible dans l'axe. Paredes, oh, c'est bien joué. C'est bien joué de la part de Leandro Paredes et c'est pas fini. Ils ont envie, les Italiens, aujourd'hui, avec la reprise. Kostic, c'est à côté. Est-ce que ça a été dévié? Oui, ce sera un corner. Quel début de match, quelle intensité, Alex. Jean-Mario qui tarde un petit peu. Rafa Silva, que fait-il? Il envoie ça sur le poteau. Oh, sans élan ou presque. Et la défense de la Juve qui était complètement à l'arrêt. Et on revient à droite. Neres. On va accélérer, qui essaie de passer. Ouais, qui est plus rapide évidemment que Miretti. Il rentre dans le rectangle. Ouais, c'est bien défendu hein, de la part de Miretti. Et là, j'ai l'impression qu'on aurait éventuellement soit pu siffler péno, ou alors, si ce n'est pas le cas, bien Gonzalo Ramos, il doit prendre la carte jaune. Je pense vraiment que Miretti veut faire opposition avec son pied. Et comme Ramos va beaucoup plus vite que lui, eh bien, au lieu de faire opposition avec son pied au sol, il fait opposition avec son pied sur le pied. C'est dommage, hein, parce que son tacle précédent est juste magnifique. Oui. Hein, sa récupération est splendide. João Mario face à Mattia Perrine. La pause et la frappe, elle est limpide. Dans le plafond du but, un partout. Benfica revient au score. Un mauvais alignement d'Antonio Silva qui permet à Milik de ne pas être hors jeu là sur cette reconversion offensive de la Juve. Milik, oh qu'est-ce qu'il fait Perrine, j'ai l'impression qu'il a plongé à contre-temps ou qu'il a anticipé un petit peu la chose. Vlachodimos, vous voulez dire Vlachodimos, pardon, oui. Oui, je crois aussi, parce que je ne pense pas que le ballon soit dévié. Là, on revoit Bremer, c'est une grosse intervention. Hein, parce qu'il a mis vraiment une super possibilité. Ah, 1m84, hein, Ramos, donc il y a quand même certains athlétiques, certains physiques. Avec le but, non. Oh, la reprise, elle est au fond, celle-là. Neres, est-ce qu'il n'était pas hors jeu? Non, le drapeau reste baissé. Et Benfica qui insiste. Il y a eu quoi, trois occasions en une les Portugais. Ouais, c'est presque trop facile. Hein. Je vous parlais des longs ballons initiés par Vlachodimos. Bon, ben c'est ça qui leur permet finalement de poser le jeu si haut. Neres, première zone, s'est dégagé. Il a tenté en puissance. João Mario qui remet dans le paquet. Le ballon qui traîne. Oh là là, c'est à côté, c'est Ba qui était là, mais qui a été contré. Ah, il y a un coup à jouer là à droite, à gauche, pardon, avec Neres. De plus en plus actif hein, dans toutes les zones du terrain. Ça, c'est pas mal avec Gonzalo Ramos qui se retourne, qui cherche une solution. Rafa Silva, oh oh. Et boum, ça part très vite. Et heureusement pour la Juve, Mattia Perrine est attentif parce que franchement, ça partait vite de nouveau. Ouais, c'est presque le meilleur italien. Gonzalo Ramos, ouais, ça peut aller au bout de nouveau avec Neres qui peut frapper. Et Perrine, Perrine, Bonucci. Pour l'instant, c'est les deux hommes qui sont en train de sauver la Juve. Centre de Paredes au deuxième. Keane avec Bar sur le dos.
Attention au bas qui a déjà une carte jaune, hein, qui va devoir faire attention. Nouveau centre, il est pas mal. Et le poteau de Vlachodimos, c'est pas fini. Di Maria, non. Il doit centrer tout de suite, Quentin. Même du pied droit. Là, il a une opportunité avec un partenaire. Salve au duel. Avec Paredes, ça c'est pas mal donné. Bremer, ça va être goal, ça. Oh là 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 là. Ah, il est il râle sur Vlachodimos parce qu'il estime qu'il doit sortir. Ce résumé vous a été présenté par Heineken et Mastercard. Sponsor de l'UEFA Champions League.